Et salut tout le monde, ici petit Seb, de retour sur Yooka-Laylee pour la suite de nos aventures donc dans les livres monde. Voilà, je suis revenu de nouveau exactement à l'endroit où je vous ai laissé. Alors, avant de craindre. Oh, la madame qui m'a parlé tout à l'heure, c'est quoi? Sur un poste. Ouais, je sais pas ce que c'est. C'est un truc jaune. Non, réservé aux employés de la rue. Ça me dit pas ce que ça fait par contre. Je peux en avoir qu'un à la fois. Oh bah pour le moment je vais prendre le seul disponible. Hein. Donc, normalement maintenant je devrais avoir un papillon plus en point de vie. Donc ce que je voulais essayer c'était de passer dans cette entrée là. Là, le temple de Duc. Personnage le plus aristocratique du jeu. Ouais, c'est le haute forme qui te fait dire ça. Ça a l'air d'être un mini-jeu, mais on doit débloquer en allant ouvrir les fenêtres. Alors, je vais regrimper. Sur le premier étage pour voir s'il y a des plumes en réserve. Il y en a au-dessus. Ici. Ici, il y en a encore là. Ça fait rien. Alors, une plume. Important. J'ai vu qu'il y avait le monsieur le serpent aussi. Je dis monsieur le serpent parce que j'arrive pas à prononcer son nom comme il faut. Je saute pas assez haut pour ça. Une pierre qui dort et notre ami le serpent.
Sonar d'attaque. Crash misère. Aspire des objets comestibles et tirer des projectiles. Attendez-vous un succès fracassé. Et je vais prendre ça. Il me semble que toutes les plantes là, bleues, rouges, ce que je croise depuis tout à l'heure, c'est pour. Justement les avaler, donc c'est ce que je disais, pour les avaler et les recracher à mon avis. Justement, j'ai encore 80 plus. En fait, au final, je peux tout apprendre. Donc, Ah voilà, c'est ça qui va me permettre de réveiller les totems. J'apprends toutes les techniques. Donc normalement je peux réveiller lui et je peux faire ça. Trois autres. Voilà, une dans chaque coin. Hop. Et la dernière. Voilà, j'ai débloqué le jeu de tir. Donc ensuite, je peux aussi faire. Yeah. Hey.
monstre. D'accord, c'est ça la molécule qu'on veut chercher. Bon, et maintenant faudrait que j'arrive à monter au-dessus. Oh. Ah ouais, avec l'attaque en fait je peux aller encore plus loin. J'ai été mais minable, d'une force impossible à déterminer. Désolé. Ah, c'est le changement de vue là. Tout simplement. Tester le jeu de tir. Il me semblait que j'en avais raté, mais bon, si j'ai le droit à la page, moi ça me va. Donc c'est quand même la sixième. Hein. Thank you.
oui, j'ai encore besoin de collier, c'est vrai. Voilà. Donc les totems, on en avait vu plusieurs, mais je sais plus. Où ils étaient. Ah bah là. Juste là. Ah. Il est parti sans moi. D'accord, faut arriver à shooter les totems au bon moment pour pouvoir se déplacer. Par là. Je me rappelle qu'il y avait des plumes à récupérer dans le coin. Et voilà, une, deux, trois. De plus, est-ce que je peux revenir en arrière? Ouais. Ça, j'ai pas tout le trajet à refaire. Hop. Septième page. Est-ce que avec le double saut je peux éviter de me cracher? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que je peux faire ça? Donc celui-ci faut le nourrir pour pouvoir le récupérer. Très bien. Je crois que j'ai j'ai fait le tour de la map là. Cette fois-ci. Et donc nous voilà de retour à la ruche. Je peux soit agrandir ce livre. Froid dedans. Ah, je sais ce que je peux faire. Yahoo.
totalement. Donc, Pagy, je suppose qu'il faut le faire. Et ben voilà. D'avoir récupéré cette pagie et l'échec d'avoir brisé cette glace, je vais vous laisser ici pour cet épisode. Surtout, n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu si vous avez aimé. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de nos aventures dans les pages des livres mondes. Salut! Hey, watch out!